troisième épisode de Line Factory. Aujourd'hui, on va parler des pentatoniques et spécialement de la pentatonique mineure. La pentatonique mineure, dans notre cas ici, Ré mineur, ça fait Ré, Fa, Sol, La, Do, Ré. Théoriquement, on a tonique, tierce mineure, quinte, quinte, septième et tonique. Voilà pour la construction de la pentatonique mineure. Voilà, on prend par exemple une autre tonique, Fa mineur. Ça nous fait Fa, La bémol, Si bémol, Do, Mi bémol et Fa. Donc tonique, tierce, tierce mineur, quinte, quinte, septième, tonique. Voilà comment on construit une pentatonique mineure. Et l'utilisation, c'est justement sur la tonique mineure. On utilise la gamme pentatonique mineure de Ré sur un accord de Ré mineur. Donc, j'ai préparé pour vous deux phrases à partir de la pentatonique mineure. Première phrase, écoutez. Donc, je vous donne les notes. Sol, Do, Ré, La, Sol, Do, La, Fa, Sol, Fa, Do, Ré. Voilà, ça vous fait 11, 7, tonique, quinte, 4 ou 11, 7, quinte, tierce mineur. 4, tierce mineur, 7, tonique. Donc cette première phrase, vous pouvez l'utiliser sur Ré mineur. Si vous avez un autre accord mineur, vous pouvez utiliser le même procédé. On essaye avec La mineur peut-être. Donc ça nous fait... C'est une phrase à transposer. Donc Ré mineur, La mineur, vous voyez, Sol mineur peut-être. Voilà, ça c'est le premier motif que je vous ai préparé. Deuxième motif sur notre Ré mineur, toujours basé sur la gamme mineure pentatonique. On a Fa, La, Ré, Do, Fa, La, Sol, Do, Fa, Ré, La, Fa, Sol. Donc, right? Donc, théoriquement, on a tierce, quinte, tonique, sept, tierce, quinte, 4, 7, tierce, tonique, quinte, tierce, 4. Voilà les deux phrases que j'ai préparées pour vous à base de pentatonique mineure. On va essayer de les mettre dans un autre morceau, comme d'habitude, pour voir comment on peut les utiliser. Voilà, on y va. 1, 2... Vous reconnaissez le morceau? En fonction des figures rythmiques, en fonction des divisions que vous pouvez créer. Comme ça, ou bien.
voilà aujourd'hui ce qu'on a vu sur la pentatonique mineure. Plus tard, dans une autre rubrique, on va parler en long et en large des pentatoniques et leurs utilisations. Merci d'avoir suivi et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode.